Alors bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Nous allons reprendre nos activités, cette cinquième session de notre colloque intitulé « Planches hexagonales et francophones, l'au-delà de la science-fiction ». Nous allons avoir ce matin un programme encore bien rempli. Deux présentations suivies d'une autre table ronde. Et complété par les deux dernières présentations de ce colloque qui a été riche en présentations, riche. Les dieux sont cléments, il reste quelques exemplaires du magazine Nuit Blanche, c'est votre dernière chance. N'hésitez pas à réclamer votre... Tu l'as repris pendant la nuit? Voilà, tu l'as repris pendant la nuit, c'est pas possible. Oui, j'ai ma... propre presse clandestine que j'apporte en voyage. Alors, ce matin, notre premier intervenant, il s'agit de Julien Baudry, qui mène depuis plusieurs années des recherches sur l'histoire de la bande dessinée 20e, 21e siècle. Sa thèse de doctorat est en cours de réalisation à Paris 7, sous la direction d'Annie Renoncia. Cette thèse porte sur le dessinateur Alain Saint-Augan, et la bande dessinée pour enfants dans l'entre-deux-guerres. À travers les publications dans les revues en ligne Comicalité, 9e art 2.0 et duneuf.org, ainsi que sur son blog, philacterium.fr, Julien Baudry s'intéresse également à la bande dessinée numérique. Il a publié une histoire... il a publié au printemps 2012. Une histoire de la bande dessinée française au 9e art, 2.0. Il travaille aussi sur la diffusion du patrimoine de la bande dessinée, et c'est la raison de sa venue au colloque, à la bande dessinée de science-fiction française. Ce matin, il va nous présenter une communication toujours intitulée, vous n'avez pas changé votre titre, « L'affrontement des traditions de la science-fiction pour enfants dans la bande dessinée de l'immédiate après-guerre ». Alors, ce que je vous propose en fait dans cette présentation, c'est de faire une sorte de panorama de la bande dessinée de science-fiction autour de l'immédiat d'après-guerre, donc dans les années 1940-1950, au tout début de la chronologie fixée ici dans ce colloque. Donc, un panorama que j'ai un peu restreint dans un cadre un peu plus spécifique de la culture enfantine. Alors, pour différentes raisons, dans un premier temps, parce que malgré tout, la bande dessinée de science-fiction se développe principalement dans la bande dessinée pour enfants, du moins jusqu'aux années 1960, et beaucoup plus riche à destination de ce public. Et ensuite, car elle permet aussi un peu de problématiser en quelque sorte le genre science-fiction dans la bande dessinée, à travers l'affrontement en fait, de plusieurs héritages qui datent du siècle précédent ou de la première partie du XXe siècle. Notamment entre, d'une part, une tradition que l'on pourrait appeler une tradition didactique, en quelque sorte, de la science-fiction pour enfants, qui idéalise en quelque sorte le modèle de Jules Verne et du divertissement mêlé à l'éducation. Et dans un second temps, la tradition d'une science-fiction fortement influencé par la bande dessinée de science-fiction américaine qui arrive en France dans les années 30, qui est une science-fiction davantage orientée vers le divertissement, une science-fiction de masse en quelque sorte, qui arrive à travers des titres comme Flash Gordon, qui est parmi les titres les plus connus, qui paraît dans la presse pour enfants française à partir de 1934. Donc ce que je vous propose ainsi, c'est de voir un petit peu comment ces différentes traditions vont... où ces différents héritages vont se rencontrer dans les années 1940-1950. En voyant dans un premier temps quelle est l'influence réelle finalement de ce champ américain, voir ensuite le contexte de critique qui intervient à cette époque dans le cadre de la conception d'une loi pour la protection des publications pour enfants, qui va notamment évoquer la question de la science-fiction dans la bande dessinée pour enfants, et enfin de voir les effets de permanence et de continuité aussi par rapport à ce qui pouvait se faire dans la première moitié du XXe siècle. Donc, en ce qui concerne l'influence de la science-fiction américaine, souvent l'historiographie sur la bande dessinée évoque donc, justement l'arrivée de la science-fiction américaine dans les années 1930 autour de grands titres comme Flash Gordon ou Buck Rogers,
qui vont arriver dans un certain nombre de revues pour enfants comme Robinson ou Aura, et que c'est donc l'arrivée de ces titres de science-fiction américains serait le point de départ en quelque sorte de la bande dessinée de science-fiction française. Donc ce n'est pas tout à fait exact, mais il est vrai que l'introduction de ces nouveaux titres va introduire une rupture qui, à partir des années 40, va modifier en quelque sorte la production de bandes dessinées de science-fiction faite par des auteurs français. On a dans un premier temps la rencontre entre des nouveautés éditoriales et justement donc le genre de la science-fiction. Nouveautés éditoriales qui interviennent avec de nouvelles formes de livres de bandes dessinées, comme par exemple des fascicules périodiques qui paraissent, donc qui existait évidemment auparavant dans d'autres littératures, mais qui pour la bande dessinée reste relativement nouveau. Donc là on voit par exemple un fascicule qui s'appelle Les Exploits de Radar, qui paraît tous les mois, et qui est réellement une bande dessinée de science-fiction française par Bob Linnell, qui correspond en quelque sorte à justement ce nouveau type de production éditoriale, dont on connaîtra d'autres déclinaisons, comme par exemple les petits formats ou les récits complets, qui, un peu dans le même esprit, propose un récit par fascicule. Il y a dans un premier temps ces nouvelles formes éditoriales, et dans un second temps, une nouvelle organisation des grandes revues pour enfants, qui vont en fait mieux organiser les différents bandes dessinées qu'elles publient, en grands genres bien distincts. Et on va avoir des revues comme, parmi les revues de l'immédiate après-guerre les plus connues, comme Vaillant, ou encore Spirou, ou encore Pog, quoi vous citez, oui, Cœur Vaillant également, même si la science-fiction dans leur cas est un peu moins présente, qui vont en fait distinguer différents genres de bandes dessinées, donc avoir une série de bandes dessinées historiques, une série de bandes dessinées de science-fiction, une série de bandes dessinées de western, et de cette manière, en fait, les différents genres de bandes dessinées vont se compartimenter en quelque sorte, et le besoin en bandes dessinées de science-fiction va pouvoir se faire. Alors là-dedans, comment intervient l'esthétique propre à la bande dessinée de science-fiction américaine? Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, dans un premier temps, un véritable effet générationnel d'auteurs qui vont être marqués par, par ces différents titres américains qui paraissent dans les années 30, qui sont des auteurs qui, pour la plupart, ont justement commencé dans les années 30. L'exemple le plus typique de cette nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée, c'est Edgar Clare Jacobs, connu en tant qu'auteur de Blake Mortimer, on aura une intervention dessus par la suite, et qui en fait est extrêmement influencé par le Flash Gordon d'Alex Raymond. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans l'hebdomadaire Bravo, qui est un hebdomadaire belge qui paraît dans les années 1940-1950, Jacobs va en fait prendre la suite d'Alex Raymond à partir du moment où les bandes américaines ne parviennent plus. On est dans le contexte de l'occupation allemande, donc les bandes d'Alex Raymond ne paraissent plus dans Bravo, et Jacobs va en quelque sorte terminer la parution de Flash Gordon dans cette revue, et là on voit donc un exemple de case de planche qu'il va produire justement pour terminer Flash Gordon, et par la suite, toujours dans Bravo, il va publier un autre titre qui cette fois est un titre qui lui est propre, qui est Le Rayon U, qui sera par la suite réédité d'ailleurs à différentes occasions, et qui, par son esthétique et par ses personnages, rappelle énormément le Flash Gordon d'Alex Raymond. Donc là, il y a vraiment une filiation avec Jacobs qui est assez évidente, qui est parfois moins évidente dans le cas d'autres auteurs, mais il y a un réel effet générationnel avec des auteurs comme Auguste Liquois par exemple, ou Marie-Jacques, qui, de la même manière, commencent dans les années 30 et vont justement s'intéresser à la bande dessinée de science-fiction américaine. Cette esthétique est marquée par un style graphique un peu spécifique qui, la plupart du temps, associe de façon assez systématique le genre de la science-fiction à un style assez réaliste de production de bande dessinée, et également avec des thèmes qui vont revenir de façon assez frappante. Donc là, par exemple, on voit le début de Flash Gordon, tel qu'il est publié en France, ici une réédition un peu plus tardive chez Futuropolis.
Et donc pour rappel, donc le début de Flash Gordon Dawn est l'arrivée d'une planète inconnue, qui va rencontrer la Terre, percuter la Terre, et donc qui va provoquer un certain nombre de catastrophes. Et un héros, Flash Gordon, va se rendre sur cette planète afin de résoudre les problèmes engendrés par l'arrivée de la planète sur la Terre. Donc là, on voit toute une série de catastrophes dans cette première page qui interviennent. Et des auteurs français vont en fait reprendre cette première page dans leur propre production. Donc ça va être le cas dans Les Pionniers de l'Espérance, qui paraît dans Vaillant, et qui reprend un thème en fait exactement identique, c'est-à-dire qu'une planète arrive sur Terre et provoque des catastrophes. Un groupe d'hommes, ils ont pour nom Les Pionniers de l'Espérance, l'Espérance étant le nom de leur vaisseau spatial, vont se rendre sur cette planète. Et la construction en quelque sorte de la première planche est la même. Même chose dans Atomas d'Auguste Liquois, où de la même façon, cette fois, c'est comme dans Flash Gordon, un seul héros, Atomas, qui va se rendre sur la planète qui menace la Terre. Donc on a ici la reprise d'une introduction assez classique de Flash Gordon dans toute une série de bandes dessinées françaises de l'immédiate après-guerre. Le genre finalement se construit à la fois comme genre en quelque sorte à l'exemple de Flash Gordon, mais aussi par l'emploi d'un certain nombre de références littéraires à d'autres œuvres de science-fiction. On le verra par la suite. Et en tant que genre, il va également se développer dans la direction du space opéra, donc, là encore à l'image de Flash Gordon. Donc c'est le récit de conquête spatiale qui se mêle souvent au roman d'aventure. Et on voit notamment un motif qui va être extrêmement récurrent dans toutes ces bandes dessinées, à la fois dans les bandes dessinées américaines et dans les bandes dessinées françaises de l'immédiat d'après-guerre. C'est la lutte contre des animaux antédiluviens, un rappel en quelque sorte de la littérature de romans préhistoriques. Donc là on le voit dans deux bandes américaines qui paraissent en France, de Brick Bradford et Flash Gordon, qui luttent contre des animaux préhistoriques. Et c'est une thématique qui va être extrêmement récurrente dans la bande dessinée française de science-fiction de l'après-guerre. Donc là, on le voit notamment dans Les Pionniers de l'Espérance, où le héros combat une sorte de scarabée géant, et dans Le Rayon U, où une attaque de ptérodactyle survient. Alors cela n'empêche pas finalement un contexte un peu difficile pour la science-fiction en France, au sens où donc, dans cette période 1945-1960, on a un contexte de critique assez forte envers la science-fiction dans le cadre des discussions sur la loi de protection des publications pour la jeunesse. Donc, pour rappel, c'est une loi qui est proclamée en 1949 et qui souhaite en quelque sorte, enfin, concrètement même, censurer les publications pour enfants en retirant les éléments jugés néfastes à l'enfance. Ces éléments étant la plupart du temps d'ailleurs des bandes dessinées. Ce qui fait qu'il est souvent assez difficile de repérer les critiques propres à la bande dessinée ou propres à la science-fiction, au sens où dans les critiques faites lors des débats sur cette loi, il y a de nombreux amalgames qui sont faits entre on va dire, les critiques de la science-fiction et les critiques de l'image dans la presse pour enfants en général, ou encore les critiques de la science-fiction et un anti-américanisme assez prononcé d'un certain nombre de pédagogues ou de députés. Donc cette loi se construit entre 1945 et 1949. Il y a de nombreux débats qui font intervenir donc des pédagogues, des hommes politiques, mais aussi des éditeurs de bandes dessinées, de façon un peu plus marginale, des auteurs. Donc la loi est proclamée en 1949, et entre 1949 et 1960, donc une commission va être créée, commission de protection des publications pour la jeunesse, qui d'ailleurs est officiellement toujours en activité, et qui a pour but justement de regarder ce qui se fait dans les publications pour la jeunesse afin de noter le matériel jugé inconvenant. Souvent sur des critères moraux d'ailleurs assez indistincts. En ce qui concerne plus spécifiquement la science-fiction, les critiques qui vont être faites à la bande dessinée science-fiction vont concerner dans un premier temps, donc là je reprends une distinction qui a pu être faite par Harry Morgan qui a travaillé sur ce sujet. Dans un premier temps, on reproche aux bandes dessinées de science-fiction qui paraissent dans les revues pour enfants d'ignorer les véritables données de la science. On leur reproche également de faire œuvre de psychose et de sensationnalisme
en les associant souvent d'ailleurs aux bandes dessinées d'horreur, hein, ou aux fantastiques en général. Et on les accuse également de fausser les connaissances des enfants, les connaissances scientifiques des enfants. Donc finalement, ce sont des critiques ici qui, pour la plupart, sont assez peu fondées. On peut le repérer, comme l'a fait justement Harry Morgan, en soulignant que l'auteur de Brick Bradford fait référence dans différentes interviews qu'il donne à l'exemple de Jules Verne, notamment, qu'il a inspiré pour ses bandes dessinées. Ce qui fait souvent qu'on va voir apparaître un peu dans ces critiques en négatif, même si parfois il est également nommé de façon concrète, la figure de Jules Verne, qui est en quelque sorte idéalisée comme l'auteur, comme un auteur de science-fiction pour enfants, d'une bande dessinée science-fiction éducative idéale, qui apprendrait à l'enfant les données de la science, qui lui donnerait foi au progrès. Donc c'est un peu les reproches qui sont faits à la bande dessinée de science-fiction américaine, et qui dessine justement cette image qui est fortement idéalisée finalement au sens où les romans de Jules Verne avaient aussi un objectif de divertissement assez important. On voit donc dans cette commission en quelque sorte deux visions de la science-fiction se dessiner, qui sont aussi justement l'objet de ce malentendu. Mais finalement, au-delà des critiques qui sont faites à la science-fiction dans l'immédiat d'après-guerre, il y a dans la production même de véritables effets de continuité avec des traditions qu'on pourrait dire purement européennes ou françaises. On va le voir dans un premier temps avec le maintien de la tradition de ce qu'on appelle la fantaisie scientifique, qui est une tradition qui est assez fortement implantée dans la production graphique, et qui a pour grand ancêtre Albert Robita, notamment, l'invention de toutes ces machines scientifiques assez merveilleuses, et qui souvent mêlent justement une sorte de merveilleux scientifique, la magie et la science. On le voit bien avec les premières aventures de Spirou qui paraissent justement dans le magazine Spirou, publié par Franquin. On peut citer par exemple le titre des premières aventures de Spirou, qui est donc « Y a-t-il un sorcier à Champignac ?», ce sorcier étant justement un professeur, un véritable scientifique. Mais il y a toujours donc dans Spirou, on retrouve la résurgence de cette fantaisie scientifique. J'ai mis ici donc l'image de Radar le robot, une aventure qui paraît en 1947, et qui reprend également donc le motif issu de la tradition de la fantaisie scientifique, de ces machines un peu extraordinaires, qui peut faire penser à Albert Robita. Cette bande dessinée scientifique de science-fiction française, c'est aussi resté eurocentré dans ses références. On le voit par exemple avec certains thèmes qui vont revenir de façon importante et qui sont des réelles références à la tradition littéraire de science-fiction française. Ici, donc, dans Radarius, qui est donc une sorte de petit fascicule qui paraît un peu de la même façon que Radar qu'on a vu précédemment, Radarius face aux Martiens, on retrouve une image qui, en réalité, est directement inspirée d'une illustration d'un roman de Gustave Le Rouge, Le prisonnier de la planète rouge, où donc, le héros se retrouve sur Mars et combat des Martiens qui sont une sorte de Martiens hybrides vampires, un motif qu'on va ici retrouver de façon exactement identique dans Radarius, en tout cas dans l'illustration de couverture qui en est faite. Donc cette bande dessinée de science-fiction française, même si donc, Radarius, on le voit très bien, est également fortement inspiré par la tradition américaine, notamment par le mythe du surhomme, mais va également utiliser des références purement françaises. Ce qu'on peut voir aussi ici dans Zygapus d'Alain Saint-Auban, où explicitement il est fait référence au roman de Pierre Benoît, donc on le voit ici dans la case en bas à droite. Donc les deux héros, Zygapus, vont en fait suivre le périple des héros de l'Atlantide de Pierre Benoît, et retrouver l'Atlantide au milieu du désert. Et donc, nommément, donc le personnage de Zig dit « c'est le roman de Pierre Benoît que vous nous racontez là », quand le professeur qui vit en Atlantide le raconte ses aventures. Il y a ces citations directes, dans un premier temps, à une science-fiction vraiment de tradition française. Il y a aussi une certaine familiarité avec certains genres, comme ici dans « Les pionniers de l'espérance », de Raymond Poivet et Roger Lecureux,
une planche qui emprunte directement au récit de KPDP, où le héros, donc on est bien dans un récit de science-fiction, mais qui souvent se mêle avec des éléments du roman d'aventure d'une façon plus générale. Et ici, donc, les héros combattent comme dans un récit de KPDP, des motifs qui proviennent justement, qui sont des références littéraires directes. On le voit aussi avec des allusions à l'histoire à proprement parler. Donc là, j'ai donné un exemple. Donc l'exemple le plus connu souvent est le récit de Jacobs dans Black et Mortimer, Le secret de l'Espadon, qui est connu pour être justement une citation qui prend appui sur les événements de la Seconde Guerre mondiale dans son déroulement. Ici, dans Guerre à la Terre de Auguste Liquois et Marie-Jacques, qui paraît dans Cocardi, on a de la même manière donc les extraterrestres qui envahissent la Terre. Et il y a donc un Français qui va se rebeller contre les gouvernements mondiaux qui décident de capituler face à l'ennemi extraterrestre, en disant notamment que l'humanité ne doit pas capituler. Et on assiste une reprise justement d'événements de la Seconde Guerre mondiale. Un rappel, on est en 1946, donc le rappel est assez évident, transparent pour les lecteurs. Donc une allusion dans Guerre à la Terre, mais surtout les permanences qu'on va pouvoir peut-être pointer de façon la plus évidente dans cette bande dessinée de science-fiction immédiate après-guerre, ce sont justement ces aspects un peu plus didactiques de la science-fiction.